Monsieur Eba, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que nous sommes et qu'est-ce qui se passe en ce moment sur ce lieu ? Alors, nous sommes à la salle de Barbe d'Or, une salle emblématique qui est en pleine rénovation et extension. Cette salle datée des années 60. Il y avait à peu près une surface de 1150 m² qui va passer à presque 1600 m² avec une extension sur l'ancienne salle Henri Lacoste qui sera une salle multisport. Ainsi que on va retraiter toute la zone de basket, handball. Il y aura plusieurs traçages de terrains sportifs. Mais il y aura aussi une extension côté sud-sud-est avec une création de vestiaires supplémentaires, accessibles bien sûr, clubhouse, un hall d'entrée, billetterie et sanitaire. Pourquoi c'était important de réhabiliter cette salle ? Tout simplement déjà parce qu'elle était plus aux normes, notamment par rapport à l'accessibilité, c'est très important. On pourra accueillir toutes sortes de compétitions, que ce soit pour les valides ou les non-valides. Et aussi avec cette création du deuxième salle à la place de l'ancien dojo, comme le dojo a été installé sous la tribune est de Guy Boniface. Ça permet d'accueillir bien sûr des scolaires, mais aussi la section du sport santé, le Tai Chi Chuan et d'autres sections associatives. J'espère bien que ce sera fini avant la fin d'année et qu'on pourra accueillir bien sûr le club utilisateur, c'est le Montour Badminton, mais on peut jouer bien sûr au basket, on peut faire d'autres sports et bien sûr aussi on a pensé aux scolaires et au plus grand nombre.